Bonjour, excellent réveil à tous. Merci d'être là. Ce matin, nous reviendrons sur ce match disputé hier par les Verts face à l'équipe de la Guinée équatoriale. Bien sûr, triste soirée pour les Verts hier ainsi que pour les supporters des Verts, car bien sûr, ils se sont inclinés face à leur adversaire. Bien sûr, nous reviendrons sur cette compétition, la CAN 2022 en fin d'émission, avec justement des commentaires et aussi le commentaire et le compte-rendu de notre envoyé spécial sur place qui va nous parler un petit peu de l'état d'esprit qui règne après cette triste soirée hier. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir aussi de retrouver nos collègues Sihem Kenouch ainsi que Mounia Wittis dans un tout petit instant pour parler donc de deux thématiques différentes, l'eau et ses rituels avec Sihem Kenouch et puis les sièges auto, toutes les astuces pour les mamans et les papas. Donc seront servis par Mounia Wittis ce matin. Donc voilà l'effet justement de vous aider à mieux gérer la présence des enfants à bord du véhicule. Dans cette matinale, nous aurons le plaisir aussi de voyager à travers les parcs culturels de notre grand pays, si grand pays, donc un pays continental, l'Algérie, avec un sud fabuleux, un désert remarquable où l'on peut retrouver aussi justement une faune, une flore, un écosystème très particulier, très fragile, soutenu depuis pas mal d'années par le programme des Nations Unies pour le développement. Donc le détail tout à l'heure avec notre invité Salah Mokran qui est directeur national du projet de développement des parcs naturels. Et puis ce matin nous aurons le plaisir de retrouver Malika Chitour Daoudi, auteur du célèbre oui elle devient célèbre pourtant une carrière qui débute à peine et elle est déjà primée à pas mal justement de participants. Aujourd'hui, elle viendra également nous parler de la création du Cercle des écrivains. Ce fut à Constantine la semaine dernière. Cette création, ce nouveau-né, on en parlera tout à l'heure avec cet auteur. Nesrine Dib, pour sa part, directrice d'un projet d'application destiné justement à faciliter les problèmes de transport dans notre pays, va nous parler de cette nouveauté également. Et puis, bien sûr, voilà, on le disait tout à l'heure, qu'il y aurait bien sûr tout un chapitre consacré à l'équipe nationale en fin d'émission. Pour commencer, tout de suite, un point météo signé Feriel Chir. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, aïna makuntum. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous, Ladia. Excellent réveil. Ça va, très bien. Très bien. Quelles sont les nouvelles du ciel, Feriel, aujourd'hui? Eh bien, encore aujourd'hui, le soleil sera au rendez-vous. C'est pour ça que vous êtes toute souriante. Comme d'habitude, Ladia. Vous êtes à l'opposé d'un malade qui attend avec impatience la pluie en général. Non, moi aussi, mais bon, tant qu'on est en bonne santé, pourquoi pas sourire, voilà, de bon matin. Et puis, je suis ravie de retrouver toute l'équipe. Voilà, vous ainsi que toute l'équipe et les téléspectatrices, téléspectateurs qui me regardent ce matin. Vous avez parlé de santé. On souhaite justement un prompt rétablissement à Amel Haribi qui est un petit peu en convalescence en ce moment. On la salue si elle nous suit ce matin. Voilà, bonjour Amel. Bonjour Amel. Voilà. Donc, que nous disent un petit peu les cartes aujourd'hui, s'il Allons-y, vous plaît. Merci Ladia. Bonjour aussi donc à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Ravie de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, encore après dissipation de brume, des nuages bas, beaucoup de brouillard au lever du jour. Le soleil reprendra le dessus au fil des heures. On attend encore une fois des vents assez forts sur la partie sud, plus précisément vers l'extrême sud, le Sahara central, avec de fréquents soulèvements de sable à partir de l'après-midi, ce qui va réduire la visibilité. Soyez prudents. À noter aussi quelques nuages qui commenceront à défiler au courant de cet après-midi vers le Sahara central, le sud des oasis. Ils seront sans conséquence. Les températures, les voici donc. Elles restent de saison avec 9 degrés, c'est le minimum aujourd'hui en Algérie, de El Beyed vers Djilfa jusqu'à Betna. Il fera 15 à Alger à Oran, 16 à Tlemcen, 12 à Naba Skikda, 10 degrés à Guelma, 12 aussi pour Sétif, Tizi Ouzou, au sud 14 à Béchar, 13 à Rardaya, 15 à Ilizi, 17 à Drar Insalah, entre 23 et 25 pour l'extrême sud, et enfin 17 aussi à Ouled.
À présent, place à l'état de la mer. Aujourd'hui, nous aurons une mer belle et calme à l'ouest qu'envers le centre, avec des vents faibles qui varient généralement entre 10 et 25 km/h, entre 5 et 15 km/h au centre, et enfin une mer peu agitée à l'est, avec des vents modérés qui varient entre 20 jusqu'à 40 km/h. Le soleil se couchera aujourd'hui à 17h57. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3, www.météoalgérie.dz. Je vous remercie pour votre présence. J'aurai le plaisir de vous retrouver au courant de cette journée. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aïna Makuntum. Merci beaucoup, Feriel, pour toutes ces petites précisions qui sont vraiment importantes, j'imagine, pour ceux qui naviguent sur mer, pour ceux justement qui ont une sortie à l'extérieur, etc. C'est toujours précieux. Et nous qui sommes dans l'audiovisuel, c'est toujours très intéressant de savoir que c'est une journée ensoleillée pour les prises de vue extérieures en période hivernale. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Je vous en prie, Nadia. Merci beaucoup. Vous aimez, tout autant que moi la musique, et j'imagine que tous ceux qui nous regardent aussi attendent ce moment où nous, on offre toujours en ouverture une chanson. Cette fois-ci, c'est le tour de Moksaïb et de Friklen, donc qui chantent ensemble Mi Amor. C'est parti.
Befriklen, Miamor, et tout de suite, j'ai le plaisir de retrouver mes amis de toutes les semaines, je dirais pas tous les jours, hein, quand même. Bonjour, bonjour Siham, bonjour. Ça va? Ça va et vous? Donc Siham Kenmouche, ici présente, et Mounia Wittis. Bonjour Mounia. Ça va? Ça va, très bien. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Un réveil douga douga, comme on dit chez nous, pour moi. Pourquoi? Oui, je sais pas, mais bon, je sais pas. Pourtant, j'ai pris mon petit déj, j'ai pris le café, tout est bon, mais suite à la, il y a des journées comme ça. Suite au match d'hier, peut-être? Peut-être, oui. Il me semble que ça doit être ça. Voilà. Peut-être. Dans le subconscient, une petite tristesse s'est installée. Donc voilà, Mounia, aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler du siège auto. Exactement, de la sécurité routière concernant les enfants surtout. Si pour les adultes, c'est un réflexe quotidien de mettre sa ceinture une fois qu'on est dans la voiture. Pour les enfants, c'est une autre paire de manches. Les parents n'attachent pas forcément leurs enfants et ils devraient quand même l'attacher. Mais avant de vous parler quel siège auto choisir, quels sont les groupes, tout détaillé, je vais vous poser tout d'abord une première question. Ah, j'adore les questions. À votre avis, en quelle année, en quelle décennie a été créé le siège auto? Alors. Les années 80 peut-être, oui. D'accord, et moi je dirais les années 70. Bien plus tôt. Oh, la décennie, enfin les années 30. Ok, ah, comment voilà, c'était pendant les années 30 qu'on a créé le siège auto, mais à ce moment-là, ce n'était pas une question de sécurité, pas du tout. C'était une astuce pour essayer de clouer bébé au siège, tout simplement, pour pouvoir conduire tranquillement. Donc, on va voir une première photo du premier siège auto qui a existé. Les mamans d'aujourd'hui. Blancs, voilà. Alors, pour ce modèle-là, c'était pendant les années 70. Là, c'est le modèle un peu sécuritaire, mais les premiers modèles n'étaient pas si sécuritaires que ça. Donc, c'était surtout pour attacher bébé dans la voiture, pour pouvoir conduire tranquillement. Mmh. Et ensuite, la sécurité est apparue pendant les années 60. Au début des années 60, à ce moment-là, on a commencé à penser au siège auto, question sécurité pour les enfants, comme on le voit ici. Ça, c'est marrant, voilà, exactement. C'est un peu bizarre. Ça enveloppe complètement l'enfant et puis il y a un coussin. Comme ça, l'enfant, quand il y a un choc, l'enfant est amorti par le coussin. Et bien sûr, après, ça a bien évolué. Et maintenant, nous avons des sièges auto bien plus adapté à la morphologie de l'enfant déjà, et bien plus sécuritaire, on va dire. Alors, quel siège auto pour quel enfant, à partir de quel âge? Donc, il faut savoir que le siège auto, c'est dès la naissance. Mmh. Dès la naissance, on met un enfant dans un siège auto. Alors, il y a plusieurs catégories. Donc, la première catégorie des sièges pour enfants, c'est les 0 et les 0 plus. Donc, le 0, c'est l'inacelle, ce qu'on appelle un linacelle, comme on le voit sur la photo. Donc, le bébé est allongé à l'intérieur, c'est une sorte de lit. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le cosy. Mmh. C'est une sorte de coque qui protège l'enfant. Moi, je privilégierais plutôt le cosy. Voilà, le coque, c'est beaucoup plus sécuritaire, bien sûr, qu'on attache avec soit la ceinture de sécurité, soit une fixation isofixe. Donc, c'est de 0 à 10 mois pour le lit nacelle et de 0 à 15 mois pour le cosy, ou tout simplement de jusqu'à, on va dire, 9 kilos. De 0 jusqu'à 9 oui, kilos. Parce dès la naissance jusqu'à 9 kilos. La peau de bébé kilos, est quand même fragile, hein, quand à la naissance voilà. Ou... la première année, quand même, il est assez fragile. Oui. Donc, c'est un peu dur. Hein, comme... Non. C'est bien confortable. Au contraire, maintenant, les sièges auto sont beaucoup plus... Ils sont bien rembourrés, ils sont bien confortables à l'intérieur. Donc, c'est quand même assez confortable. Donc, le premier groupe, c'est jusqu'à 13 kilos. Le deuxième groupe, c'est des sièges auto. Là, c'est plus une forme de siège. C'est à partir de 1 an en général jusqu'à 4 ans. Ça dépend. C'est des sièges évolutifs qu'on peut aussi mettre dos à la route, parce qu'il faut savoir que le siège auto vaut mieux le mettre dos à la route. Question de sécurité. Donc, c'est de 9 kilos jusqu'à 18 kilos. Il faut dire aussi que d'une génération à l'autre, les enfants sont de plus en plus turbulents. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression. Oui. Ah oui. Voilà. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir été attachée tant gamine, par exemple. On était bien sages dans le petit coin. Exactement, on ne faisait pas trop de bruit, mais les générations... Mais cette génération, enfin, oui. C'est 3-4 générations... La nouvelle génération est beaucoup plus bruyante. Mais c'est vrai, entre mon premier et mon second, en bruit.
Enfin, il y a une véritablement sacrée différence. Ah ouais. Ah ouais. Absolument. Alors, la troisième catégorie de siège auto, c'est le groupe 2 et 3, ce qu'on appelle un rehausseur. Donc, soit un siège qui n'a pas de dossier pour attacher avec la ceinture de sécurité, soit un siège avec un dossier réglable aussi, qui est aussi rehausseur, qu'on attache avec la ceinture de sécurité. C'est à partir de 15 kg jusqu'à 36 kg. Très bien. Alors, comment savoir qu'il faut changer de siège auto? Alors, tout simplement, dès que la tête... Faut lui demander à elle, moi je dis pas cette expérience. dès que la tête dépasse le siège. Exactement, voilà. Dès que la tête dépasse, parce que dans le cosier, on va avoir... Donc on voit tout de suite que ça devient plus petit. Ça devient plus petit. Il ne faut pas se fier, on va dire, aux jambes, parce que les jambes vont pousser, et le bébé va plier ses jambes. Ce n'est pas un problème, ça n'a pas de répercussions sur sa sécurité. Mais par contre, si la tête dépasse, bascule, à ce moment-là, il faudra changer de siège auto. Et bien sûr, pour choisir un siège auto, il faut toujours prendre, si possible, prendre l'enfant avec soi. Et puis le mettre dans le siège auto, voir s'il est confortablement assis à l'intérieur. Très bien. Voilà. Alors ensuite, les fixations. Comment fixer un siège auto? Donc on a le système, il y a deux systèmes. Le système de la ceinture de sécurité et le système ISOFIX. Maintenant, toutes les voitures modernes sont équipées de systèmes ISOFIX. Donc le système ISOFIX, c'est le meilleur système, c'est le plus sécuritaire, on va dire, parce qu'il suffit de clipser simplement le siège auto à l'arrière de la voiture, de préférence l'arrière toujours, de la voiture. Alors que la ceinture de sécurité, si on ne l'attache pas correctement, le siège ne sera pas bien fixé. Tout à fait. Les erreurs à ne pas commettre avec les sièges auto. Alors, première erreur, c'est de mettre le bébé ou l'enfant avec son manteau, sa doudoune, et attacher dessus la ceinture. Toujours enlever la doudoune, parce que ça va faire un effet de on va dire, savon. L'enfant va glisser, s'il y a un choc, l'enfant va glisser et sortir de son manteau, parce que les ceintures ne sont pas très serrées. Et quand on serre les ceintures, il faut toujours laisser un espace de un doigt, à peu près un centimètre, pas plus, parce que sinon ça n'attache pas correctement l'enfant à son siège. Donc on installe toujours les sièges auto à l'arrière de la voiture, derrière les sièges, pas au milieu. Si on n'a pas le choix, si une famille nombreuse, on n'a pas le choix, donc on mettra au milieu, c'est pas grave. Et on ne met pas aussi bébé à l'avant de la voiture dans son siège auto. Et si on n'a pas le choix, on est une famille nombreuse toujours, il faut toujours désactiver l'airbag frontal, parce que sinon on risque d'avoir des chocs quand même assez violents. L'airbag est assez violent pour les tout petits. Et bien sûr, toujours bien attacher l'enfant et ne jamais laisser un enfant, parce qu'à partir de 3 ans. Mais c'est pas interdit de mettre un enfant à l'avant ? En siège auto, on peut le mettre à l'avant, c'est pas interdit, mais l'enfant en lui-même, c'est interdit de le mettre à l'avant. Oui. Voilà, c'est complètement interdit de le mettre à l'avant, mais le siège auto, c'est pas réellement interdit de mettre le siège auto à l'avant. D'accord. Et à partir de 3 ans à peu près, 3 ans et demi, quand ils sont sur un rehausseur, en général, les enfants vont vouloir faire comme les grands et s'attacher eux-mêmes. Donc, même si on laisse l'enfant pour éviter la grosse crise, je m'attache comme un grand et tout ça, on le laisse s'attacher lui-même, mais ensuite, on vérifie toujours derrière, on vérifie qu'il est bien attaché. Donc voilà, question sécurité, tout ce qu'on devait savoir sur les sièges auto. Ne jamais laisser, bien sûr, un enfant sans un siège auto, de préférence. C'est vrai que ça coûte cher, un siège auto. C'est quand même un budget conséquent d'acheter un siège auto. Mais si on peut avoir un siège auto, on va se priver, on va dire, un petit peu, vaut mieux avoir un siège auto. Oui, c'est recommandé. C'est recommandé. Jamais de siège auto d'occasion, parce qu'un siège auto d'occasion, une fois qu'il a fait son travail, on ne sait pas s'il a subi un accident de voiture, par exemple. Une fois qu'il a fait son travail, on ne sait pas s'il est toujours aussi fiable qu'au début. Il a déjà fait son travail, il a peut-être reçu des chocs, là des où on ne peut pas voir, voilà. Oui. Les ceintures ne sont peut-être plus aussi bien fixées qu'avant, donc ne jamais acheter un siège auto, ou même si vous achetez un siège auto d'occasion, assurez-vous qu'il n'y ait pas eu d'accident. Qu'il ne soit pas endommagé. Voilà, oui. Exactement. Donc, nous allons voir quelques vidéos de crash test, justement, pour vous montrer ce qui se passe quand on est mal attaché, quand on n'est pas attaché. Voilà, tout ça dans une voiture. Si on peut voir la vidéo, ce serait sympa. Ça va vous éclairer, on va dire, sur ce qui peut arriver dans une voiture. Ça va pendant... nous secouer aussi. Ça va nous secouer, oui. Oui, pas mal. Je me prépare au pire, là. Alors, comme vous le voyez, là, quand on fait un accident de voiture,
tout va devant. Donc quand l'enfant n'est pas attaché, bien sûr, il va directement à l'avant. Alors que quand il est attaché, le siège auto le rattrape, on va dire, le retient. Par exemple, un bébé qui est posé allongé, voilà. Mmh. Donc c'est quand même des chocs assez, assez conséquents, qui sont très graves. Avoir un enfant sur ses genoux, devant, c'est très déconseillé, on le voit souvent malheureusement, mais voilà. Comme vous le voyez, il n'est pas forcément en sécurité, même s'il est devant. Et sur cette image, c'est quand l'airbag frontal n'est pas désactivé. Il risque l'étouffement aussi. Voilà, il risque l'étouffement, il reçoit un choc aussi sur la tête. Un enfant qui est devant aussi ne peut pas supporter le choc de l'airbag, c'est un peu trop violent. Et ça, c'est par rapport au siège auto, les réhausseurs. Donc, privilégier les réhausseurs avec le dossier, c'est beaucoup plus sécuritaire qu'un réhausseur sans dossier. Ouais, rien voilà. De tel qu'une image pour parler et pour décrire ces dangers. Merci, merci Mounia de nous avoir éclairé sur cette manière de choisir son siège auto pour le bébé. Et bien sûr, j'imagine que mesdames qui sont vraiment face à leur écran ce matin sont ravies d'avoir des directives dans ce sens. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, on va tout de suite suivre un petit peu les récits qui va nous mettre de l'eau à la bouche, je dirais. Oui, je pense. Enfin, je ne sais pas trop, mais bon. En tout cas, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ces rituels qui existent chez nous et qui concernent l'eau. Donc, un élément principal, on va dire, il fait partie des quatre éléments de la vie qui sont bien sûr le feu, la terre, l'air et puis l'eau. Donc, ce que je vais dire existe chez nous, mais existe ailleurs. Ce sont des traditions qui existent chez nous, oui, mais ailleurs, on peut les trouver aussi facilement que chez nous. C'est vrai que dans certaines régions, ces rituels ont tendance à disparaître, mais moi, étant petite, je me rappelle qu'il y avait des gens qui pratiquaient justement ces traditions qui nous laissent pas perplexes et on se pose la question de toute façon, pourquoi ? Déjà, il faut savoir que dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire universel, l'eau est symbole de purification, dans l'ablution, n'est-ce pas ? Symbole de purification, de vie et de fertilité. Déjà, l'eau est toujours présent, donc, est complètement présent quand il s'agit de la vie. Il n'y a pas de vie sans eau, n'est-ce pas ? Oui. Et dans notre subconscient, quand on rêve, qu'on baigne dans l'eau, qu'on est dans l'eau, généralement, quand on n'étouffe pas, quand il se passe une noyade, parce qu'on peut rêver d'étouffer, de se noyer, déjà, il faut voir si notre état d'âme est bon. Mais généralement, rêver d'eau, ça signifie que nous sommes bien, que nous sommes tranquille. Alors pourquoi ? Justement, le premier pourquoi ? Parce que d'après les plus grands, psychologues, les plus grands psychanalystes, ceux qui ont véritablement étudié la nature humaine, comme Jung par exemple, moi j'aime bien ce Jung, hein, il est vraiment, c'est quelqu'un, c'est très fiable et on peut franchement lire ses livres, on se retrouve. Alors Jung par exemple, il dit que si vous rêvez que vous êtes dans l'eau, que vous baignez dans l'eau, cette sensation de bonheur, c'est en fait un rappel de sécurité lorsque vous êtes dans le ventre de votre maman. Parce que c'est vrai qu'on est dans du liquide, n'est-ce pas ? Oui, chaque être humain a vraiment baigné dans ce liquide maternel. Et du coup, cette sensation de sécurité, je suis bien dans le ventre de maman. Oui, je vis, je suis tranquille. Et du coup, le symbole est grand ici. Le symbole est véritablement présent. Donc, on retrouve ceci dans pratiquement toutes les cultures, dans toutes les mythologies aussi. Parce que, par exemple, quand on va chez les Égyptiens, on va trouver que Isis va cacher son frère Osiris sous l'eau. Donc, il va renaître de sous l'eau. Et c'est véritablement ici un autre signe de vie et de fertilité. Alors, je me rappelle justement que chez nous, dans certaines régions, quand il y avait des gens qui allaient prendre la route, qui allaient voyager, quand il y avait la grand-mère, la grand-tante, la maman qui disait au revoir à son fils qui devait prendre la voiture, alors je ne sais pas à cette époque-là s'il y avait des sièges auto ou pas, avec ses enfants et sa femme, pour prendre la route par exemple, la maman, qu'est-ce qu'elle faisait ? Ben, elle jetait derrière son fils de l'eau, oui, de l'eau, n'est-ce pas ? Oui. Parce qu'en pensant que l'eau
porte bonheur, l'eau et quelque chose. Et de bon augure. Et de bon augure et de sécurité. Donc c'est quelque chose qui va mettre son fils et sa famille en sécurité. Une autre cause aussi, c'est pour qu'il revienne, parce qu'on dit que l'eau revient toujours à son lit, revient toujours à son cours, et donc du coup il ne va pas disparaître, mais il va revenir. Alors c'est une tradition qui existait chez nous, hein, pas très, y a pas très longtemps, elle existait toujours. On la retrouve aussi en Tunisie, on la retrouve en Égypte, on la retrouve en Turquie. Donc c'est très méditerranéen, oriental comme tradition, mais c'est toujours de bon augure. Alors il y avait une autre tradition, par exemple, quand on allait dans les bains morts ou quand on nageait dans des piscines, des piscines naturelles. Des bassins naturels. Des piscines naturelles, par exemple. Du côté de Guelma, il y a une petite piscine du côté de Héliopolis. Et cette piscine était romaine et l'eau jaillissait, c'était de l'eau de source hein, qui jaillissait, qui remplissait, par exemple, cette piscine. À l'intérieur des bains morts. On appelait ça les thermes aussi, à l'époque. C'était les thermes. C'est vrai que l'eau était un petit peu chaude quand même. Hein. Et à l'intérieur des bains morts, justement, quand les femmes allaient se baigner, et avant de sortir, il y avait aussi le rituel. Alors, ce rituel, on le trouve chez les mamans, les grand-mères, mais on le trouve aussi chez les enfants, les garçons notamment, qui nageaient, qui se baignaient dans ces thermes, dans ces piscines. Alors, il fallait quand on devait sortir, on devait prendre une petite quantité d'eau, la boire et puis dire ceci. On dit par exemple « Hada haqqak ya ma, ma ta'tini la mard la ma. » D'accord. « Hada haqqak ya hout, ma ta'tini la s'khana la mout. » Et ça rime, hein, vous voyez. Oui, donc je traduis pour les gens qui regardent et qui ne comprennent pas. « Hada haqqak ya ma, ceci est votre dû, eau sacrée. » Ne me donnez ni maladie ni cécité. Et ceci est votre dû au poisson sacré. Ne me donnez ni fièvre ni mort. Donc il fallait ce qu'on appelle dire cette phrase qui en fait reflétait une certaine croyance, reflétait une certaine complicité avec cette eau qui nous nourrit, qui nous met dans notre élément. Et ça rappelle que nous sommes, que la vie jaillit en nous, on boit l'eau et on récite ceci, ce qu'on appelle haqqlma. Alors ceci est véritablement haqqlma, c'est le dû de l'eau. Peut-être qu'on reviendrait aussi sur le rituel d'Anzar. Anzar, je ne sais pas si je prononce bien. Oui, mais Anzar. Anzar ou Ranja, la fiancée de la pluie. Mais on la laisse celle-là pour raconter la légende. Moi j'ai envie de raconter. Oui, enfin, aujourd'hui je parle de mythe. La réalisatrice. Aujourd'hui c'est mythe et rituel. Voilà, donc demain ou mardi, on parlera de Anzar, de Ranja, de la fiancée de la pluie, de cette pureté. Ça c'est une autre chose qu'en Ranja. Par exemple, alors ça c'est une autre chose, c'est une autre histoire, n'est-ce pas chère Radia? Absolument, merci beaucoup Sihem, c'est toujours un plaisir de vous suivre dans vos récits. Merci également à Monia Wittis et à tous ceux qui nous suivent ce matin, merci d'être là. Et tout de suite on vous propose une petite transition, toujours dans le sens de la sensibilisation à cette pandémie. La Covid sévit toujours et c'est pour tout de suite, c'est parti. Thank you.
D'accord, bonjour encore une fois mesdames, messieurs. Donc je parlais tout à l'instant à notre invité suivant, Salah Mokran, bienvenue. Bonjour. Vous avez choisi de garder votre masque, vous êtes libre bien sûr. Et je rappelle que vous êtes directeur national du projet des parcs culturels, je l'avais dit tout au début de l'émission, qu'en saison hivernale, la plus belle destination c'est le sud, et le sud regorge d'espaces fabuleux, donc autant naturels que culturels, culturellement parlant. Donc vous êtes à la tête de cette institution qui veille au grain par rapport à la préservation de l'âme de ce désert, n'est-ce pas ? Bonjour. Donc, le projet des parcs culturels, donc, c'est un projet de coopération internationale qui intéresse la conservation de la biodiversité d'intérêt mondial dans le réseau des parcs culturels sous tutelle du ministère de la Culture, exécuté en coordination avec le programme des Nations Unies pour le développement. Tout à fait. Donc, le PNUD contribue justement à cet effort de préservation, à cet effort de valorisation également. Mais c'est pas pour rien, c'est parce que c'est aussi un grand trésor. Par exemple, pour ne citer que Djanet ou le Tassili Nadjer, c'est vraiment carrément l'une des plus belles galeries de l'art rupestre. L'une des merveilles du patrimoine mondial. Tout à fait. Voilà, Tassili Nadjer, c'est du patrimoine mondial par excellence, classé pour sa diversité naturelle et culturelle, notamment l'art rupestre. Donc le Tassili Nadjer est considéré comme l'un des plus importants bastions mondiaux de l'art peint et aussi de l'art gravé. Donc, et à ce titre, il est caractérisé par cette... Vous connaissez bien cette région, vous avez aussi été à la tête comment on appelle ça L'ANPCT maintenant. L'ANPCT. Avant, c'est l'OPNT. L'OPNT, c'était l'office de... Du parc national du Tassili. Voilà, donc vous connaissez bien cette région et ça vous a aidé tout récemment à être, le guide et l'hôte de toute une délégation diplomatique qui s'est dirigée vers Djanet à l'effet de voir les résultats de tout un travail de nombreuses années de labeur, n'est-ce pas? Voilà, donc cette activité donc inscrite dans le cadre des activités du programme a été réalisée donc du 9 au 12 janvier, bien sûr, où une délégation importante d'ambassadeurs accrédités à Alger de plusieurs pays, donc amis de l'Algérie. Se sont déplacés pour voir de visu les résultats du projet et maintenant découvrir donc, toutes les merveilles dont on parle, les potentialités naturelles et culturelles qui sont à la base de l'offre touristique singulière de ces régions sahariennes. Oui, j'imagine un petit peu les réactions. Est-ce que vous pouvez nous les décrire Quelles étaient les réactions de ces ambassadeurs? Pour certains, la plupart ne connaissent pas en général, ils sont dans leur mission diplomatique, mais parfois ils voyagent quand même à travers le pays. En tous les cas, pour le site, donc, c'est leur premier voyage dans le Tassili Nadjer. Même bien que pour certains, nous avons déjà visité le Tamanrasset. C'est différent. Donc, Djanet, c'est un peu particulier avec les merveilles donc, du Tassili. Donc, bien sûr, c'est l'émerveillement par rapport au paysage, par rapport à la diversité, par rapport aussi à la fragilité donc, des écosystèmes et de tout le patrimoine de ces régions, classées, comme j'ai dit. Et aussi, donc, c'est de découvrir donc, toutes ces potentialités et toute cette richesse qui peut, donc, dans un développement durable, être un moteur pour le développement de la région de Djanet, la nouvelle wilaya, la wilaya de Djanet. Oui, Djanet ou encore Tamanrasset, comme vous venez de le dire, où on trouve aussi le parc du Hogar. Donc, ce sont deux régions où vit la population Targhi en général, qui est en harmonie avec cet environnement, qui vit en harmonie, qui a aussi ses propres notions d'écosystème et de préservation. Bien sûr, si on parle de population, donc c'est déjà le principe même du parc culturel, donc c'est l'intégration donc des populations
et à la préservation dans l'environnement, donc les populations donc, sont partie prenante, la partie importante dans la politique de protection et de conservation des patrimoines culturels et naturels. À titre indicatif, le parc du Tassili Nadjer emploie pratiquement 99% de son personnel, il est issu des gens de populations de la région, que ce soit des guides, des agents de conservation et cadres, tout le personnel. Et suite de Jeannette, de la Wilaya, ça aide, donc ça a permis donc de préserver en se basant aussi sur tous les savoirs traditionnels que cette population détient. Absolument. Donc si on parle aujourd'hui à Jeannette, toute l'activité touristique est supportée par la population locale, dont le savoir est avéré par rapport à la protection des peintures et des gravures. Donc, sur les et une connaissance du terrain exceptionnelle, dans la mesure où c'est vrai que ce sont des kilomètres et des kilomètres qu'ils parcourent, hein, ces guides ou ces agents donc, déployés par l'office justement parc, de préservation du parc du Tassili ou de la gare également. Donc c'est vrai qu'ils ont cette connaissance du terrain, ils héritent ça de tout enfant, ils sont initiés justement à ces voyages, à ces caravanes qui traversent le désert. Donc ça leur donne une prédisposition à ce travail, à ces missions en particulier. Donc quels sont les points qui ont été ciblés par cette visite des ambassadeurs à Jeannette? Comme je l'ai dit, donc, c'est une visite, donc, une partie travail et une partie touristique. De villégiature. De villégiature, de découverte. Donc, cette activité était inscrite pour découvrir les activités donc, réalisées par le programme, donc, surtout des activités au profit des populations locales, donc à Jeannette et à Yehril, donc la délégation à laquelle ont participé également des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Culture et du PNUD, ont découvert tous les résultats d'unités de production de produits de souvenirs à Jeannette, réalisés au profit des jeunes filles des Navarvar. C'est une première donc, pour l'exploitation, donc, la valorisation économique du patrimoine. Cette unité est réalisée à Jeannette. Permet aujourd'hui à des jeunes filles de Navarbal de produire donc, des produits de souvenirs et inspirés du patrimoine du Tassili, des peintures, des gravures et de toute la diversité naturelle. Il faut dire que tous les objets fabriqués par ces mains expertes, je dirais, parce que c'est vrai qu'elles sont hautes en couleur, elles sont d'une très belle texture en général, ça dépend du support et tous les supports se valent dans la vieille Khaïma ou la vieille tente Touareg est magnifique. Voilà, il y a un autre atelier donc, pour une vingtaine de femmes aussi donc, a été installé à Ihrir. Donc tout le monde connaît au moins Ihrir pour son caractère de zone humide d'intérêt mondial, classé dans le cadre de la Convention de Ramsar. Là aussi, donc, on a découvert donc, tous ensemble tout le travail fait. Il y a tout un écosystème, une guelta, Bien sûr. Comment on appelle ça, un lac ou une guelta? Une guelta, donc c'est une guelta en langue. C'est assez grand, ça. C'est assez grand, donc, parce que c'est classé, donc, c'est tout le réseau hydrographique donc, de l'Oued Ihrir, qui s'étale sur des kilomètres, qui est classé, donc avec des guiltas permanentes, donc de l'eau permanente à longueur d'année, bien sûr, avec aussi une diversité aquatique, donc avec des poissons et des batraciens, donc de toute une faune, même une microfaune aquatique d'intérêt aussi donc, mondial. L'intérêt du travail réalisé, c'est d'apporter un plus donc, aux jeunes, donc, surtout les jeunes filles du village, pour leur permettre. D'ailleurs, on a observé donc, un regain d'activité, donc, et c'est ainsi que les jeunes filles du village et les dames ont installé des tentes où ils offrent l'artisanat traditionnel du village. Oui, peut-être une idée d'investissement. Je dirais que Ihrir, c'est aussi le témoin vivant de l'ancien habitacle des Touaregs qui se sont sédentarisés. Donc, ces espèces de huttes très belles. Donc, voilà. Et qui ont inspiré d'ailleurs certains investisseurs à Jeannette, de jeunes. De création de campings. À l'image de ce qu'ont laissé leurs ancêtres. Bien sûr, à Ihrir, d'ailleurs. On observe comme ça. Même à Ihrir, dernièrement, il y a
et aussi création de camping, même au village d'Héret. Ce qui est important aussi à signaler, c'est le village mitoyen d'Héret, donc c'est une dépendance, c'est une partie du village. C'est le village des Darans, donc un village authentique, donc qui est resté donc avec les constructions traditionnelles, qui peut donc dans un effort d'investissement, d'ailleurs c'est le moment d'inviter des investisseurs et investisseurs. À développer l'idée de ce qu'on appelle des écologes, donc des campings écologiques traditionnels intégrés à l'environnement du parc et à l'environnement de la région. Tout ça, donc, c'est ce qui a été vu, donc c'est ce qui a fait l'émerveillement de la délégation qui s'est déplacée et aussi qui peut ouvrir des opportunités d'investissement même à l'international en matière de développement touristique. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est un autre rythme quand on est au sud. Hein. C'est vraiment un autre rythme, une autre notion du silence et de la paix. Et c'est vrai que dans certains campings, on a vu un petit peu une tradition de se défaire de toutes les technologies possibles et imaginables. Quand on arrive à Janet, on se défait de tout cela dans certains gîtes et on vit, on mange bio, on profite du soleil, on profite de la nature, on profite d'ailleurs, de l'immensité du désert, c'est ça, et c'est ça la beauté. La beauté, donc, ce qui nous impose aussi donc, d'y aller vers un tourisme, un écotourisme, un tourisme de découverte, donc, où le visiteur vient découvrir la diversité naturelle et culturelle du parc. D'apprendre aussi, parce que aussi, ça fait partie de l'apprentissage, parce que les gens découvrent et ils apprennent sur l'histoire de la région, sur la diversité et sur le patrimoine vivant. Donc, à l'instar de ce Biba Janet, qui est aussi un monument et un événement phare de l'année, donc, que tout le monde vient donc, à l'occasion de l'Ashura, qui est aussi classé patrimoine immatériel donc, à la Convention de 2003. Après, donc, il y a eu, donc, après cette visite des humains... Il faut dire que c'est une survivance authentique hein, d'un rituel qui a été transmis de génération en génération. De génération en génération, bien sûr. On aura d'autres occasions d'en parler de absolument, ce rituel qui absolument. Est classé, mais aussi, c'est un cachet particulier, il fait partie, donc, comme on le dit à Janet, c'est l'identité de la ville de Janet. Cet événement, donc, ce rituel... d'importance, donc qui fonde même l'identité de la région. La deuxième partie de la visite, donc, s'est intéressée donc au site naturel et culturel sur l'axe donc Janet et Sandilène, donc on en connaît, avec les sites de Timrast, Tikoubaouine, Tililine, où on a découvert donc de la nature, donc la diversité naturelle et aussi de l'art rupestre. Donc oui. Ça, c'est aussi donc, l'un des sites tout près de Janet, parce qu'il faut savoir qu'on peut venir à Janet, qu'on peut découvrir l'État Sili juste à côté. Donc en un week-end, on peut voir des merveilles qui sont à 30, à 40, à 50 km de Janet. Oui. Donc à l'occasion, ceux qui vont se déplacer vers Janet pour des affaires, donc pour un week-end, ils peuvent vraiment visiter un échantillon assez significatif, je dirais. Et représentatif du patrimoine du Tassili. Oui, cette roche sculptée naturellement par qui séduit, qui est imposante à l'image d'une sculpture monumentale, c'est beau. Hein. Voilà. Ces couchers de soleil qui sont aussi... assez unique quand on suit le coucher de soleil du côté de Janet, c'est vraiment un moment inoubliable. Voilà, du côté de Terrarat, avec la fameuse gravure de... Oui. Dites de la vache qui pleure. La vache qui pleure, oui, ça c'est juste à côté. Hein, voilà, ça c'est vraiment le premier point qu'on peut visiter. D'ailleurs, c'est ça l'intérêt, c'est de diversifier l'offre. Oui. Et de ramener donc ce monde avec des produits authentiques, exploitables aux environs de Janet. Parce que, très bien. Parce qu'il y a aussi la nécessité donc, de préserver les sites et les sites d'importance archéologique et écologique.
Il faut que l'exploitation soit durable, c'est pas, oui. Surtout dans la Tadrarte ou sur le plateau du Tassili ou dans la région des Théodènes. Donc c'est des sites d'importance. Il ne faut pas que ce soit nuisible aussi pour cet environnement, voilà. Qui a déjà son équilibre. Il faut que l'impact soit vraiment réduit à sa simple expression lorsqu'on se déplace, soit en 4x4, soit en dromadaire. Donc pour nous permettre à nous d'apprécier, de permettre aussi aux générations futures et au reste du monde d'apprécier d'où aussi la réflexion ou plutôt l'imposition d'un guide local à toutes les délégations qui arrivent. Souvent on leur demande de choisir un guide parce que pour éviter justement tout abus, toute mauvaise utilisation de certaines. Sur ça, donc le parc fait un excellent travail. D'ailleurs, je salue les collègues au niveau de l'office du parc et même tous les opérateurs. Vous savez que toutes les visites passent par le bureau du parc pour avoir les autorisations et aussi avoir le guide d'accompagnement. Donc toutes les visites, comme vous le dites, à l'intérieur du parc sont réglementées et encadrées. Mais quand même, donc il faut toujours veiller à ce que ce trésor soit bien préservé, bien protégé pour nous et pour les générations à venir. Et puis c'est aussi une manière aussi de protéger le visiteur lui-même, parce qu'on peut se tromper, on peut s'égarer en plein désert, et ça peut être très très dangereux si on ne connaît pas le terrain. Effectivement. Donc, on terminera sur une dernière question, Monsieur Amokran. Quelle est vraiment l'arrière-pensée qui est présente, Yanni, avec l'organisation de cette visite? Donc, vous avez convié des diplomates découvrir cet endroit. Est-ce que ce n'est pas quelque part pour développer une espèce de partenariat ou un intérêt pour la destination Algérie? Et bien sûr, donc cette visite, comme je l'ai dit, est inscrite dans un cadre d'un programme, donc a des objectifs. Les trois objectifs assignés à cette mission, donc, c'est de découvrir les réalisations, découvrir les paysages et d'ouvrir des horizons de partenariat donc, entre le PNUD, le ministère de la Culture les pays participants, dont certains déjà dans le cadre du programme. Nous, on a déjà initié des activités de partenariat avec plusieurs pays dans le cadre du programme, dans le Portugal, où il y a eu des échanges entre notre programme et des parcs archéologiques au Portugal. Donc, l'intérêt, donc le dernier intérêt, c'est de voir donc, les possibilités de partenariat ou intégrer le parc, le réseau des parcs, Janet et les autres parcs, dans une politique de partenariat donc, bilatéral. À l'échelle internationale pour mieux préserver, d'ailleurs, parce que nous, on est déjà dans un programme de coopération internationale. En quelque sorte, c'est de voir les voies et moyens, comment continuer donc, à travailler au niveau international sur la diversité patrimoniale des Tassili avec d'autres thématiques, pourquoi pas les changements climatiques dans ces régions sahariennes. Très bien. Merci pour cet éclairage et ce témoignage, Salah Amokran. Je rappelle que vous êtes directeur national du projet des parcs culturels soutenu par le ministère de la Culture et des Arts ainsi que le programme des Nations Unies pour le développement. Merci infiniment. Merci, et je vous souhaite vraiment une bonne continuité pour le programme qui s'achèvera bientôt. En principe, il verra sa fin bientôt. Normalement, à la fin avril. Espère d'ici là, donc on commence déjà sur notre programme au bénéfice des patrimoines et des populations du réseau des parcs culturels. Très bien. On a cité tout à l'heure Tikuba Win. Tikuba Win veut dire les épées. Takuba, donc l'épée. Takuba, l'épée. Tikuba Win, c'est au pluriel. Et justement, on a une reporter, Amel Issi-Ledil, qui s'est intéressée à la Takuba et à Tikuba Win, à toutes ces épées, justement, qui font un petit peu la gloire de la région de Djanet, de Taman Rasset et des populations Targhi ou Touareg. Donc, tout de suite, un reportage qui nous parle de cette production en particulier. Avec beaucoup de minutie, de précision et de concentration que ces artisans Touareg fabriquent la fameuse Takuba, un sabre utilisé autrefois par les Touareg qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Un patrimoine immatériel qu'il faut absolument préserver. J'ai appris ce métier de mon père, qu'il avait lui aussi hérité de son père. C'est un héritage de 6 générations. Le sabre des Touareg fait partie de notre culture. Il n'y a pas une maison dans notre région où on ne trouve pas ce sabre.
On fait des sabres en cuir et d'autres en cuivre pour décorer avec. Ce patrimoine culturel bien de chez nous se transmet de génération en génération. Qu'elle soit en cuir ou en cuivre, l'épée des Touaregs est aujourd'hui fabriquée même par les enfants, fiers de ce legs qu'ils tentent de préserver. J'apprends à mes enfants ce que j'ai appris de mon père. Quand ils sortent de l'école, ils viennent apprendre ce métier que j'ai appris de mes ancêtres. Il ne faut pas oublier que ce patrimoine est bien de chez nous. Je suis Tergui et fier de ce patrimoine que nous avons hérité de nos ancêtres. Un patrimoine de grande importance qui valorise les facettes du legs immatériel et matériel, faisant la fierté de la société Tergui et de toute l'Algérie. Voilà, notre invitée suivante s'est installée. Il s'agit de Malika Chitour Daoudi. Oui, c'est Daoudi. Pourquoi j'ai hésité? Je ne sais pas. Pourtant, je connaissais. Bienvenue, en tout cas, sur ce plateau où vous êtes déjà passée pour la présentation de votre premier roman, oui. La Cafrado, ici présent, donc entre mes mains. Donc, La Cafrado a été présenté au public de différentes télévisions, radios. Il a pas mal bougé. Aujourd'hui, vous êtes parmi nous parce que vous avez été primée pour cet ouvrage tout récemment, n'est-ce pas? Oui, j'ai eu cette chance. J'en suis ravie. C'est un premier prix d'une première édition. Donc, c'est l'université... Mentouri, des frères Mentouri de Constantine qui a organisé ce concours. Personne n'était au courant, aucun auteur. D'accord. Oui, c'était une totale surprise. Une initiative. Oui, c'était une initiative suite à une volonté du docteur Souhil Hadid, professeur de français, département littérature, et donc qui a insufflé ce vent de fraîcheur dans ce département, et suite à l'intérêt que portaient ses élèves, ses étudiants à la littérature, et pour les encourager, elle a créé des clubs de lecture, elle a initié ce prix, elle l'a porté, et donc elle a demandé à ses étudiants de trouver les sorties littéraires, de lui ramener les sorties littéraires, des titres, voilà, de l'année 2021. Donc il y a eu un choix à faire. Elle a acheté avec son propre argent. D'accord. Des lots de livres pour les étudiants. Oui. Les professeurs ont dû se débrouiller pour se les acheter pour eux-mêmes, parce que tous les départements ont participé, hein. Pas que le département littérature. C'est les étudiants ont voté, les professeurs aussi. Pas que pour littérature française, mais il se trouve que pour cette année, malheureusement, Covid oblige, les éditeurs n'ont... Il n'y a pas eu beaucoup de prix, de parutions littéraires autres qu'en français. Mm-hmm. En arabe, ce n'était pas très, très riche. Oui. On ne peut pas faire un prix pour 10 titres ou 20, juste... Oui. Voilà. Donc, pour le français, je crois qu'ils ont eu 40, ou entre 40 et 50. Très bien. Et jusqu'au jour où moi, j'ai découvert mon nom sur une liste de 10. De 10 sélectionnés. De 10 sélectionnés. Après, c'était 4. Et puis, voilà. La semaine dernière, oui, vous êtes vous êtes monté en grade. Oui, à ma grande surprise, être à la tête de cette liste sélectionnée essentiellement par des étudiants et des enseignants de l'université de Constantine, l'université Mentouri. Donc voilà, bravo et félicitations. Merci. Pour le prix de l'UFM. Donc voilà, j'imagine un petit peu votre plaisir. Oui, surtout que la présidente d'honneur cette année, la grande dame, elle savait, et ça. J'en suis très fière parce que c'est une dame de l'Ouest. Oui, tout à fait. On ne se connaît pas. Même Madame Hadid, moi, je ne l'ai jamais connue. Hein. C'est quand on m'a annoncé que j'ai eu le prix que je l'ai rencontrée. Et voilà, c'est des dames énergiques et qui ont cette volonté de faire avancer les choses. Et donc, la première édition
Mais c'est vrai qu'il est déjà dans ce combat, hein, dans sa Oui. région. Elle a créé ces espaces littéraires, des espaces de lecture, des espaces Oui. justement d'échange, Oui. de cafés littéraires, etc., qui ont Voilà. permis de réveiller un petit peu C'est l'intérêt, de exactement remettre au ça. goût du jour la lecture et l'intérêt pour Réveiller, la... Oui, réveiller. réveiller. Les villes sont des belles aux bois dormants. Absolument. Oui, Constantine est une belle aux bois dormants. Et une de ces femmes, Madame Hadid, et Madame Derwez, qui est la directrice de la bibliothèque de lecture principale de Constantine, sont là, d'autres femmes certainement, Oui. mais moi je parle de celles que j'ai croisées, sont là pour donner, Booster. booster, réveiller, donner de leur temps. C'est pas facile pour des femmes. Et voilà, et ça marche, c'est Oui. appréciable. Il y a plusieurs Il y a clubs. aussi une librairie qui fait pas mal aussi. Oui. C'est la librairie tenue par Hanesh. Oui, Voilà. qui passe par des moments difficiles en ce moment. Hein, Oui. Et qu'on salue vraiment oui. et pour tous les efforts qu'il fait Oui. en faveur des éditeurs, en faveur aussi des Oui. auteurs algériens. Donc voilà, on rappelle Malika Chitour Daoudi, donc a été primée pour un livre, voilà, La Cafrado, ici présent, Un nouveau départ. Une histoire passionnante qui met en relief deux profils féminins extraordinaires. Elle va peut-être nous résumer un petit peu l'histoire de son livre tout de Oui, suite. pas que de femmes, mais c'est une mosaïque algérienne. Absolument. Et bon, sur la couverture, il y a Francesca et Tout Dorato, à qui sont fait. illustrées très brillamment par Hanan Ottilani, qui m'a fait ce tableau sur mesure. Et donc, c'est l'histoire de Francesca qui fuit la Sicile en compagnie de Dorato, cette princesse Dogon. Qui a été kidnappée du Mali et des falaises du Mont Niagara. Et elles reviennent, bon, pour Dorato, elle revient en Afrique et Francesca Découvre découvre l'Afrique. l'Afrique et trouve cet Eldorado qu'elle a cherché toute sa vie. Et voilà, elle débarque à Beaune, en À Algérie, Annaba, à donc. Annaba, en 1862. À l'époque, c'était Beaune. Pour situer les choses, c'était la fin du 19e siècle. Et elle commence un nouveau départ, d'où le titre, La Cafrado, un nouveau départ. La Cafrado est le nom de cette ferme qu'elles vont acquérir toutes les deux pour commencer une nouvelle vie, commencer la production Oui. de raisins et faire un vignoble. Très bien. Et aussi une très belle histoire d'amitié dans ce livre qui lie cette nouvelle venue dans la Cafrado à de véritables résistants algériens Oui, à Kader, sa oui, famille, donc on qui découvre. sont dépossédés au même moment de leurs terres. Et donc il y a tout un stratagème pour les aider aussi à maintenir un petit peu C'est une cet union, héritage. on Oui. apprend les amitiés au-delà des apparences, au-delà des liens du sang, des couleurs de peau. Donc voilà, c'est une ode à l'amitié, entre autres. Entre autres, voilà, amitié entre les personnages principaux et puis des personnages secondaires qui viennent se greffer au fur et à mesure. Très bien sculptés, Merci. très bien ciselés, je dirais, dans cette mosaïque qui s'appelle justement la Cafrado et qui mérite amplement, je pense, cette Merci. consécration. Donc, si vous êtes aussi parmi nous ce matin, c'est pour nous parler, voilà, cette mouvance littéraire constantinoise a donné naissance à un très beau bébé, hein, tout Oui. récemment, on peut en parler aussi. Oui, alors c'est une fierté. Donc le premier cercle littéraire des auteurs et autrices algériennes a vu le jour à l'initiative de Madame Hadid, toujours. Et a connu sa première édition au sein de la bibliothèque de lecture principale, avec à sa tête sa présidente, sa directrice, Madame Delouez. Ce cercle essaye, en tout cas pour la première année, de fédérer tous ces auteurs, tous ceux qui ont la volonté d'apporter du nouveau par la littérature, qu'elle soit francophone, arabophone, berbère, derja, surtout, ils sont là pour aider, même à l'édition, hein, à orienter les nouveaux auteurs, à les accompagner
Donc, j'invite les éditeurs et les jeunes auteurs, les jeunes écrivains, à se rapprocher de l'Université de Constantine ou de Madame Derouez, la bibliothèque principale. Donc, on fait recherche sur les réseaux, on trouve tout de suite les noms qu'il faut. Absolument, oui. S'informer autour de ce cercle. Même la bande dessinée sera mise à l'honneur. Très bien, excellent. Oui. Donc c'est vraiment le cercle littéraire dans toute son amplitude, dans toute sa beauté et sa diversité. Donc. Et qui tiendra réunion tous les débuts du mois. Tous les débuts du mois. Donc, excellent espace d'échange, une véritable passerelle. Oui, ça se passera à la bibliothèque et c'est ouvert à tous, toutes les volontés. Tous ceux qui ont pour volonté l'ouverture d'esprit, un apport littéraire, l'enrichissement. Mmh. Voilà, et c'est dans la ville des Ponts. C'est pour tous les Algériens, qu'ils habitent en Algérie ou ailleurs, pourvu qu'ils soient Algériens. Donc, à eux de se rapprocher de nous et de faire en sorte de changer les choses. C'est vrai que depuis des années, on a cette rencontre annuelle, le Salon du Livre, qui fédère un petit peu les auteurs, éditeurs, de par justement, comment dire, locaux et étrangers. Donc, c'est une belle plateforme, effectivement, mais c'est pas suffisant, je pense. C'est pas suffisant. Et c'est bien de délocaliser. Voilà. C'est qu'à Alger, c'est bien que tout le monde se retrouve dans la capitale, on ne va pas dénigrer quand même ce formidable rendez-vous, mais seulement il faut qu'il y en ait à l'est, à l'ouest et surtout au sud. Oui. Ça, c'est un grand manque. Oui, absolument. Il y aurait un moyen. Bon. C'est vrai que Tizi Ouzou accueille quand même des rencontres. Oui, partout, mais ça reste. Elle arrive à fédérer un petit peu les auteurs amazirs. Oui. De très belles initiatives, louables. Et c'est vrai que le sud. C'est dommage. Il y a un petit déséquilibre quand même aussi. Oui, j'aurais beaucoup de mal. Il faudrait trouver la formule, par contre. Pour le sud, c'est autre chose. C'est loin par rapport à. Moi, je me déplace. Si on m'invite, je me déplace, il n'y a pas de souci. Mais vers le sud, ça serait difficile parce que c'est moi qui je prends ma voiture et j'y vais. Vous autofinancez, mais vous ne pouvez pas parcourir 2000 km pour aller à Tamanrasset. Voilà, Oran, je l'ai fait. Mascara, je l'ai fait. J'ai été toute seule. Mais le sud, c'est pour ça que je dis qu'il faut organiser une autre formule. C'est possible. Les auteurs, j'en suis sûre, seraient contents d'y aller. Donc, qu'ils y aillent, c'est un appel aux gens du Sud. Bon, ben, on espère. Ça, c'est vraiment la perspective attendue après cette naissance. On revient à cette genèse. Donc, le cercle des écrivains de Constantine est enfin né. Mmh. Vous y avez participé. Vous êtes, vous habitez Constantine. Vous exercez aussi en qualité d'opticienne. Voilà, ça, je voulais quand même dire que ça, c'est votre passion. L'écriture, c'est votre passion qui finira peut-être par prendre le dessus sur le reste, non? Oui, je l'espère, sincèrement. Ah oui, parce que c'est, comme vous dites, une passion, mais qui a ses sources très tôt, très tôt. J'aime servir les gens. C'est un métier qui me passionne parce que je suis au contact des personnes. Mais au bout d'un moment, la littérature, l'écriture, l'écriture, l'imaginaire, ça commence à prendre le dessus et l'équilibre devient un peu difficile à maintenir parce qu'il y a une famille, il y a la vie et c'est avoir beaucoup de choses en tête et la promotion, voilà. Donc vous êtes notre témoin par rapport à cette naissance de ce cercle. Qui était présent parmi les auteurs connus peut-être? Est-ce que les invités étaient... Avec le problème de Covid, c'était difficile, très difficile. Et je vous ai dit, c'est une première édition, un premier rendez-vous. Mais j'ai eu la surprise d'avoir M. Kitouni, historien. L'amitié et la gentillesse de M. Chalouana m'a beaucoup aidée. C'est un monsieur qui a écrit sur
sur un grand de Constantine, un nouveau livre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se font. Et bon, j'ai pas eu la chance d'avoir des auteurs, mais ça viendra pour les mais prochains. Mais j'imagine que l'esprit qui régnait dans cette rencontre était intéressant. Donc oui, dans le où l'échange était très positif. Il y avait des universitaires, oui. Il y avait les étudiants. J'ai pas tous les noms en tête là. Non, c'est pas... non je vais pas vous demander cet exercice, voilà. Non. Oui. Oui, parce que ici on oublie tout. Non, mais ça va. C'était en tout cas, c'était bénéfique, oui. J'imagine. C'était agréable de faire toutes ces belles rencontres. C'était émouvant. J'imagine. C'était émouvant parce que c'est ma ville. Oui. Et ma ville adoptive, mais ma ville quand même. Et un premier prix, un premier roman. Une reconnaissance et ces gens qui s'approprient la Cafrado et qui m'en parlent et que je découvre, je redécouvre à travers leurs yeux et à travers leurs paroles. Ça, c'est un grand cadeau. Ah, oui. J'imagine. Voilà, pour débuter cette année 2022 en beauté. Ah, donc oui. Voilà, on vous souhaite le meilleur, Malika Chitour Daoudi, donc pour les prochains livres qui vont arriver, parce que vous êtes déjà en chantier là. Hein. Vous préparez déjà une nouveauté. Oui, j'ai presque fini le deuxième volet de la Cafrado, parce que celui-ci a une fin ouverte et il fallait que je m'arrête. Parce que ça aurait fait un gros volume et c'est pas le but de freiner les gens pour un premier auteur qu'on découvre. Et donc le deuxième est en route et si mon éditeur Casbah Édition l'accepte, j'en serais ravie. Voilà, autant que vos lecteurs et vos lectrices, Malika Chitour Daoudi, donc auteur de La Cafrado, Un nouveau départ aux éditions Casbah et prix de l'UFM à l'Université Montori de Constantine. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bon vent pour toutes ces belles aventures littéraires. Une bonne et heureuse année littéraire, je vous souhaite. Merci, et merci de m'inviter. C'est toujours un plaisir, un honneur d'être en votre compagnie. C'est très, très agréable pour nous aussi de vous avoir dans Bonjour d'Algérie. Merci à ceux qui sont encore avec nous dans cette émission. Nous allons continuer de parler un petit peu d'art, d'innovation aussi, à travers tout de suite un reportage signé Eriles Wildhamouda qui nous permettra tout de suite de découvrir une application Nqdilek et son nom et le détail bien sûr sur les pour le bonheur des consommateurs. C'est tout de suite avec notre reporter dans ce compte rendu. Les sites du e-commerce de plus en plus nombreux et diversifiés. Ils offrent aux consommateurs algériens la possibilité d'acheter directement en ligne, sans avoir à se déplacer pour faire les courses. Des sites internet qui ont d'ailleurs rempli de manière exemplaire leur rôle durant cette crise sanitaire liée à la Covid-19. Concept Nqdilek, qui m'a le nom Yikolo. C'est le quotidien, à domicile. Genre, fait mal le client et roi qui ou il chérit ou il dit house à la chaîne ou il house à le stationnement ou il dit la chaîne. Hnaya, il commande sur internet, gale le quotidien à la semaine, à chaque qui m'y hab, ou l'a quoi ou l'a tab d'ar. Concernant les prix, c'est qu'il m'a tabra, on essaye même d'être moins cher. En plus, la livraison, elle est à juste 400 dinars ou bichin talal m'a tab d'ar. Et pour le moment, on fait la livraison que la wilaya d'Alger. On essaye bchouya, si on trouve les autres wilayas, inchallah. Oui. Bonjour madame Naïma. Bonjour. C'est le service Nqdilek. Oui. Marhaba, Jumwa Mubaraka. Bonjour. Oui, madame, si vous êtes disponible pour vous envoyer la commande. Oui, bien sûr, elle est disponible. D'accord, parfait. Donc, dans une heure à peu près de temps maximum, il arrivera de vivre, inchallah. Ici à Nqdilek, je suis la préparatrice de commandes. Je prépare les commandes, je confirme avec les clients ma commande. Je vérifie la commande. Après, dès que je confirme la commande avec le client, on livre la commande. Le type de les clients les annons, c'est généralement les gens qui ont le temps pour sortir, les gens qui ont le temps, surtout avec le Covid, donc les gens. Donc, nous allons le quotidien jusqu'à la date. Généralement, c'est les gens qui n'ont pas le temps. Ou les gens qui ont le Covid, bien sûr.
D'une application à une autre, nous allons aujourd'hui parler de ces innovations justement qui sont censées faciliter la vie du citoyen au quotidien. Pour parler justement de la nouvelle justement née dans ce marché des applications mobiles et je ne sais pas si je dis le terme qu'il faut, j'ai plaisir de recevoir ici même donc notre invité Nesrine Deep. Voilà. J'ai eu du mal à trouver sur ma feuille. Nesrine Deep, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes directrice d'un projet donc, qui est justement en faveur d'une consommation facile et aussi d'un transport aisé et à la portée de tous. Cette application dont on va parler, vous l'avez baptisée Atsil, c'est bien ça? Tout à fait. C'est qu'est-ce que Atsil justement apporte de nouveau? Tout à fait. Alors Atsil tout court veut dire mokhdoua en arabe. C'est un mot mozabi en quelque sorte, parce que la société elle a été fondée là-bas par un investisseur mozabite qui s'appelle Tofiq Nijjar. C'est un investisseur qui est très intéressé par le domaine de la technologie et qui vient avec l'idée d'assurer le transport inter-wilaya. Oui. Donc, c'est une plateforme de réservation et de solutions de transport qui se traduit en application mobile, mais c'est une application de transport aussi, de solutions de transport qui offre divers solutions ou divers moyens de transport. D'accord. Allant du transport inter-wilaya des personnes, d'accord, vers le transport des marchandises, vers la billetterie, vers je veux dire tout un écosystème qui d'accord répond et qui favorise la mobilisation très facile. Très donc bien. Le premier projet c'était une application aussi qui est dédiée à deux catégories de personnes qui sont les chauffeurs de taxi jeunes agréés par l'État. Ce sont ceux qui parcourent justement nos routes d'une wilaya à une autre. Ils sont de couleur jaune. Tout à fait. Ce sont les taxis conventionnels. Hein. Exactement. Mais vous les avez impliqués dans ce projet. Exactement. Ben, avec la modernisation, la digitalisation, le développement, on devrait quand même à un certain moment passer vers une numérisation de ce type d'activité. Et donc, on offre à ces jeunes, on offre à ces femmes, ces pères de famille, une application ou un moyen d'utilisation de transport. C'est-à-dire, ces travailleurs ou ces taxieurs, ces chauffeurs de taxi, au lieu qu'ils fassent toute une chaîne pendant... C'est-à-dire, il y a pas mal de facteurs qui nuisent à leur activité. C'est vrai, il y a de longues attentes. On ne sait pas, quand on se dirige vers une gare routière, on ne sait pas si on va tout de suite trouver un taxi. Et puis, les taxis attendent. C'est des taxis par place. Hein. Exactement. En fait, vous allez exploiter le même système, mais différemment. C'est ça la solution et c'est ça qui nous fait différencier des autres. Mmh. Donc un chauffeur de taxi va juste remplir son planning de voyage. En revanche, les clients qui voudront voyager ou se déplacer d'une wilaya à une autre n'auront pas à se déplacer ou à prendre plusieurs moyens de transport pour arriver à un point final. Ils auront juste à réserver leur place, et je dirais bien une seule place si vous êtes une seule personne, et non pas payer tout le voyage. Voilà. Donc, payer uniquement votre place et partager le voyage avec d'autres voyageurs. Voilà. C'est ça l'outil. Donc, et en revanche, le taxieur avec une tarification claire, bien précise, balisée à l'avance, etc. Il n'y a pas de changement, de surprise. Non, non, du tout, du tout. Voilà. Il y a et un ramassage à domicile. Il y a peut-être l'aspect sécurité aussi qui vient et qui émane de cette structure déjà existante ou ce réseau de taxis jaunes inter-wilayaux, je ne sais pas comment on le dit, bon voilà, ça c'est le jargon qui m'échappe, mais ce n'est pas grave, qui voilà, font des dessertes entre les wilayas. On tout va simplifier comme ça. La spécificité voilà. Donc, est très, oui, très importante, surtout pour les familles, pour les jeunes étudiantes, pour les filles qui voudront voyager surtout le soir, qui arriveront parfois très tôt le matin ou très tard le soir. Et pour arriver à domicile, c'est un peu délicat. Donc, on offre ce service de manière à les récupérer de chez soi et à les déposer aussi à destination.
Très bien. Donc, mais ce sont des chauffeurs chevronnés, déjà vraiment préparés, déjà aussi au fait de la déontologie de ce métier, qui est un métier quand même, hein, n'importe quel inconnu ne peut pas aussi avoir cette charge ou cette responsabilité de toute une, d'un groupe humain. Pour l'exercer aussi, mm-hmm. Exactement. En revanche, je dirais que en étant un groupe de jeunes très passionnés, avec beaucoup de talent, on ne voulait pas aussi rester ou bien offrir uniquement un seul service. On s'est dit non, notre objectif, notre vision, elle est très très lointaine. Et pourquoi pas rentrer encore dans le marché, faire beaucoup de brainstorming, faire beaucoup d'études de marché, comprendre aussi le besoin et offrir un écosystème, comme je viens de le dire, passer aussi vers la livraison de colis. Je dirais la livraison de colis, à ce moment-là, notre cible ou bien notre catégorie de personnes, c'est bien les gens qui possèdent des e-commerce, qui ont des shopping, des boutiques en ligne, qui ont même des pages sur les réseaux sociaux et qui exercent le métier de vente en ligne. Donc ces personnes-là, pour pouvoir accomplir leurs tâches et finir la chaîne logistique, Adsil Delivery, donc c'est une autre filiale du groupe Adsil, vient pour les aider à transporter ou à expédier leurs marchandises vers le client final. Très bien. Donc à travers aussi et ça peut s'étendre à d'autres wilayas, donc ça peut être dans l'Algérois uniquement ou à Gardaïa puisque c'est là-bas que l'idée est née. Exactement. Mais ça peut aussi s'élargir à d'autres destinations. C'est le cas. Wilayas. Nous avons commencé uniquement sur la zone algéroise, puis sur la zone de ce qu'on appelle Blida, les wilayas limitrophes. Tout à fait. Et aujourd'hui, après quelques mois de décès, nous arrivons quand même à décerner ou bien à, je dirais, à être présent sur plusieurs wilayas. Voilà, avec beaucoup d'avantages, je dirais, il y a la livraison très très rapide ou express, comme on le dit, sur Alger, il y a le recouvrement très très rapide, il y a une équipe très jeune à l'écoute. Vous allez être de sérieux concurrents à l'EMS, au service EMS, j'imagine, ils vont vous regarder comme ça. Moi je dirais, il faut qu'il y ait une certaine concurrence pour pouvoir développer améliorer la qualité. Tout à fait. Et puis ces concurrents-là, moi à long terme, je les considère en tant que partenaire, on peut s'entraider. Oui. Si moi, aujourd'hui, je suis très forte et j'arrive vraiment à répondre aux besoins de la capitale, et puis sur d'autres régions, je n'arriverai pas, pourquoi pas faire appel à nos confrères tout court. Oui, parce qu'il y a déjà une expérience en place. Je citerai l'exemple de la wilaya d'El Oued. El Oued a son propre réseau de fret ou de transport de marchandises. Donc, toute personne désirant envoyer un colis ne passe même pas par la poste. Ils ont leur propre trajectoire et leur propre desserte. Donc, c'est aussi à exploiter. Donc, il y a des expériences humaines qui existent, qui peuvent être au service d'Adsil, qui sait. Donc voilà, vous parliez aussi d'un autre aspect tout à l'heure, la billetterie. La billetterie dans quel sens? Je n'ai pas saisi. Alors, je dirais, l'application, c'est une application all-in-one. Donc si vous rentrez, si vous cherchez n'importe quel moyen de transport, vous allez le trouver. Passant du national vers la marchandise, vers la billetterie. Aujourd'hui, nous pouvons aussi faire le rôle d'une agence de voyage. Si vous êtes une personne et vous désirez voyager, mais vous n'avez pas le temps de se déplacer, voir une agence, ou bien vous n'avez pas les moyens de payer par une carte de crédit ou une carte CIB, à partir de chez vous, le soir, vous pouvez juste vous connecter sur l'application, vous verrez toutes les propositions de billetterie, que ce soit à la nationale ou l'international. Vous choisissez la date que vous désirez avoir, voir, vous allez trouver toutes les propositions de prix. Maintenant, si vous voulez passer à l'acte et confirmer, vous avez deux propositions, deux possibilités de paiement. Le paiement électronique, qui est actuellement disponible chez pratiquement toutes les autres applications, sinon le paiement cash. Et quand on parle du paiement cash, là aussi, il n'y a pas moyen de se déplacer. Donc, on fait une continuité entre les différents services, on vous livre le billet jusqu'à chez vous, et puis vous payez directement. Quand vous dites billet d'avion ?
billets d'avion, mm-hmm. billets bateau. Nous avons d'autres projets avec la SNCF, donc billets train, faire une continuité entre les différents moyens de transport. Mm-hmm. Supposons que vous venez de d'Oran, vous atterrissez à Alger, mais vous voulez partir sur Blida. Mais la connexion Alger-Blida, à partir de l'aéroport, il n'y a pas. Donc mm-hmm. soit à travers les moyens train, taxi, bus aussi. Donc c'est ça le projet à long terme. Et on commence à lancer un service par service dans l'optique de réussir le tout, Inch'Allah. Eh bien, on vous souhaite toute la réussite à toute l'équipe d'Atsil. Donc, vous disiez que vous étiez une petite locomotive très jeune qui a su garder l'intérêt de l'investisseur qui était sur la première idée. On disait de le VTC, Interwilaya. C'est ça. Tout à fait. Alors, nous avons débuté en tant que trois personnes oui. uniquement. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 20. Il faut savoir qu'on considère ce projet en tant que projet personnel mm-hmm. plutôt que projet juste à titre bénéficiaire ou autre chose. Donc, chacun de nous apporte sa propre stratégie, sa propre vision. Et on essaie aussi de réussir parce que ça reste aussi un challenge personnel plutôt que... Non, mais c'est bien de trouver un investisseur qui croit en vous et qui vous donne la chance de vous exprimer, la chance de réaliser, de concrétiser une idée. Ça, c'est pour saluer un petit peu le porteur principal de ce projet, je votre tiens aussi investisseur. À le saluer, oui, parce qu'il absolument. Investit beaucoup dans ce domaine. Oui. Nous-mêmes, on ouvre la porte à beaucoup de jeunes diplômés qui se spécialisent dans différents domaines, que ce soit dans le développement mobile, technologique, que ce soit dans tout ce qui est digital marketing ou bien dans les opérations et commerciales. Et spécialement à cette personne qui nous a fait confiance. Merci infiniment. Donc merci beaucoup Nesrine Dib. Vous êtes la directrice de ce projet d'application Atsil. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui n'ont pas suivi les explications de notre invité, à bout de clic, Atsil, vous tapez et vous aurez toutes les indications sur le début de cette application qui est déjà... Voilà, qui a commencé à travailler déjà. Oui, opérationnel. Opérationnel, c'est nous bien. Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. Voilà. Très bien, merci infiniment, voilà merci qui est bien dit. Et puis nous avions promis tout au début de l'émission que nous allions revenir sur le match qui a été un petit peu source de tristesse pour les fans de l'équipe nationale puisqu'elle s'est inclinée face à la Guinée équatoriale hier. Et on va revenir tout de suite avec un invité sur ce match sur l'état d'esprit qui règne actuellement autour de ce match disputé hier et de cette CAN 2022. Restez avec nous après ceci. Pour cette dernière ligne droite, j'ai plaisir de recevoir un fervent défenseur des couleurs nationales à travers justement son encouragement indéfectible à l'équipe nationale. Et j'ai nommé là Mustapha Benhamer. Bienvenue. Bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie, et notamment la rubrique... bonjour d'Algérie. Voilà, vous êtes notre animateur sportif ce matin. On va revenir sur ce match d'hier. Comment vous avez vécu ce moment?
C'est, le football nous procure toujours des sensations, malheureusement pas toujours les meilleures. C'est tout simplement un coup de théâtre à Douala. Oui. C'est une terrible déconvenue. Nous sommes Voilà. en ce moment malheureusement les derniers dans le groupe. On ferme la marche. On est Donc, un coup de petit peu queue. triste, mais tous les espoirs continuent car il reste quand même un troisième match. Un troisième match qu'il faut vraiment le gagner Oui. parce que sans ça c'est le comeback Ce home. serait un petit peu difficile pour notre équipe, effectivement. Mais c'est pas difficile, c'est une élimination carrément. Oui. Il faut gagner. Donc gagner, c'est espérer la première place, la deuxième place et peut-être être parmi les trois meilleurs Voilà. troisièmes et qui pourront nous ouvrir les portes pour les huitièmes de finale. Pour les huitièmes de finale, c'est tout le mal qu'on souhaite à cette équipe nationale qui nous représente dignement dans Oui, toutes les instances. bien Oui. sûr. Il faut souligner surtout que cette équipe nous a toujours remonté le moral. Maintenant, c'est à nous, De lui on peut, remonter le oui, le moral, peuple surtout, effectivement. de lui rendre l'appareil pour les booster, pour aller toujours de l'avant, Inch'Allah. Moi, j'ai vu un petit peu les réactions sur les réseaux sociaux. C'est vrai que le public présent sur place affichait une triste mine hier sur Oui. les gradins, mais j'imagine aussi la tristesse dans tous les foyers. Il y en a qui ont éteint carrément leur téléviseur, etc. Mais en revanche, il y a eu des réactions très positives pour dire on vous aime, on est toujours derrière vous, continuez, tout n'est pas perdu. Et c'était le message qui a circulé dans les réseaux. Ça, c'est déjà ingrat Oui. d'être le contraire de ce que vous avez Oui. annoncé. Parce que si jamais l'ingratitude affichée, donc Oui. ça, c'est oublier les 3 ans sans Oui. défaite, une belle série de 35 matchs. Oui. Ça, c'est vraiment mesquin de nier tout. Oui, c'est vrai, ça a hissé l'équipe au rang de toutes ces équipes, comment dire, favorites à travers la planète. Hein. On était parmi les meilleurs, hein, quand même. C'est La Guinée comment dire, équatoriale vient de stopper ce score. l'équipe Dommage. nationale Oui. est entrée en force dans le world class, dans le top Oui. du quota des meilleures équipes du monde. Le classement de la troisième équipe avec 35 matchs sans défaite. Donc, ce que je reproche beaucoup plus, c'est l'édition de 2010. Il y avait un certain Kofi Kodia, si vous vous rappelez, qui Oui. nous a vraiment donné un coup de massue. C'était celui qui nous a carrément éliminés en demi-finale. Mais cette fois-ci, on a le fameux Japoma. Japoma, c'est pas un arbitre, mais par contre, c'est le stade de Douala, avec l'état dégradant L'état de oui, la pelouse complètement dégradée, déjà avec ce premier match disputé déjà juste avant avec la Sierra Donc, moi, Leone et la Côte carrément, d'Ivoire. c'est un bien pour un mal. J'espère déjà gagner contre la Côte d'Ivoire, se classer en deuxième position pour pouvoir sortir carrément de ce stade. On Aller espère. jouer avec le premier dans Dans notre une groupe, meilleure pelouse. comme ça serait d'une pierre deux coups, Inch'Allah. Oui, c'est vraiment ce qu'on espère. Bien sûr, la Côte d'Ivoire qui a disputé aussi son match juste en amont face à la Sierra Leone, voilà, avec laquelle on a eu un match nul et qui continue d'égaliser face à la Côte d'Ivoire hier. Je Oui. reviens sur, surtout j'insiste sur l'état des pelouses, parce que si Oui. vous avez remarqué l'égalisation de la Sierra Leone, c'était justement à cause de l'état du terrain. Le gardien allait attraper la balle d'une manière facile, et juste au moment où il allait attraper la balle, c'était Oui. un rebond. Donc l'état des pelouses a favorisé quelque part les équipes amoindries qui sont un Oui. peu faibles Qui par n'était pas rapport à. vraiment Parce que sinon, favori. le Sénégal ne Oui. fera jamais de nul, la Tunisie aussi, le Oui. Maroc, les grandes équipes ne Oui. vont pas avoir de difficultés face aux petites équipes. Donc, Absolument. les terrains surtout, j'insiste, les terrains, et bien sûr, la chaleur et le taux d'humidité. Parce que le Oui. match de l'Algérie hier, il s'est joué avec une température de 31 degrés. Et surtout 70% de taux d'humidité. Quand Allez-y, même. Oui, faire des efforts. on a vu la sueur dégouliner sur les joueurs dès les premières minutes du match disputé hier. Et on attend déjà. On va juste. Il nous reste 2 minutes pour parler du prochain match, peut-être. Quelles sont vos attentes, vous, en tant que supporter? Madame, dos au mur, l'Algérien devient féroce. J'imagine. Voilà, donc avec J'imagine. la Côte d'Ivoire, c'est une équipe du même quota que l'Algérie. Donc c'est le même niveau.
Donc, ça va faire du tac au tac. Et moi, je suis très optimiste. Je sens qu'il y aura une joie indescriptible et on va continuer de chanter 1, 2, 3. Vive l'Algérie, croyez-moi. Et 1, 2, 3 pour la troisième étoile aussi. Inch'Allah, il n'y aura pas de souci, Inch'Allah. Inch'Allah. Contre la Côte d'Ivoire. Depuis combien d'années vous suivez l'équipe, dites-moi. Et depuis mon jeune âge. Okay. Bon, si je parle un petit peu jeune, Oui, mais vous paraissez jeune, effectivement. j'ai 52 ans, madame. D'accord, Donc, donc vous avez connu. le premier match dont je me rappelle bien, c'est la fameuse médaille d'or ramenée en 75 aux Jeux méditerranéens de D'accord. 75. Ouais, vous étiez tout jeune, là. J'avais 6 ans à 6 ans l'époque. Déjà, vous vous intéressiez. Bien sûr. En regardant les membres d'aujourd'hui, vous C'est avez. vrai, c'est vrai. Donc, ça montait en crescendo parce qu'il y avait beaucoup d'événements après les réformes sportives de Oui. 77. Il y avait la Coupe d'Afrique en 80, les Jeux Olympiques en 79, les Jeux de Split. Donc, l'amour grandissait avec, Oui. au fil des temps. Voilà. Très bien. Donc, vous serez derrière votre écran, donc j'imagine, la prochaine. Pour le prochain match, toujours à espérer et à souhaiter le meilleur pour cette équipe. Bien sûr. Eh bien, c'est le cas pour tous ceux qui sont autour de moi dans ce studio. Restez fidèles surtout, restez fidèles, parce Oui, que absolument. l'ingratitude, c'est quelque chose de pas bien. Très bien. Voilà qui est bien dit. Merci beaucoup. Et aussi, on n'a pas un autre pays. Absolument, On n'a ce que sont l'Algérie nos dans nos cœurs. couleurs. Voilà. D'ailleurs, j'ai remis un petit peu mon accessoire favori pour dire, on est avec vous les Verts. Continuez de nous procurer autant de bonheur. Vous avez très bien joué, vous vous êtes battus comme des grands et vous allez continuer de le faire pour le bonheur des supporters qui vous attendent. Tout le public algérien vous suit de très près. Bonne chance et bon vent à tous les Verts. Merci beaucoup et bonne chance aux Verts.